bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Plus que quelques mois à attendre pour l'ouverture de l'échangeur du carrefour Akwaba à Port-Boué. La santé menstruelle reste encore un sujet entouré de tabous, notamment auprès des jeunes filles. Un phénomène que plusieurs initiatives entendent bien endiguer. Et en fin de journal, direction Aboisso à la découverte de la place Etché Alexis Ehilingan, lieu incontournable de la localité. La statue Akwaba, monument emblématique du carrefour du même nom, sera de nouveau visible d'ici la fin du mois de décembre 2024. C'est en effet à cette période que les travaux de l'échangeur s'achèveront, et ce, à cause de retard. Il faut noter qu'il y a beaucoup de réseaux, parce que pour faire un tel ouvrage, il faut faire les fondations. Pour les fondations, il faut aller chercher, creuser dans le sol, mais malheureusement, il y a des canalisations d'eau, des canalisations, des fibres de téléphonie, qui n'ont pas été vus au départ. Sinon, globalement, le chantier se comporte bien. Sur ce chantier, à peu près 80 à 85% de jeunes Ivoiriens qui travaillent sur ce projet. Vous savez, c'est la vision du président, hein, mettre les jeunes à contribution. Et donc, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui travaillent. Nous repartons très satisfaits. Lancé en décembre 2021, ces travaux, financés à hauteur de 26,2 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, visent à décongestionner une zone clé de la ville. Le nouvel échangeur sera une infrastructure moderne comprenant un viaduc de 395,4 mètres et des aménagements supplémentaires comme un giratoire et plusieurs nouvelles voies. En dépit des nombreux embouteillages causés par les travaux en cours, les usagers manifestent leur soutien envers ce projet. Ils comprennent l'importance de cet ouvrage pour la réduction future des bouchons et l'amélioration de la circulation. Honnêtement, cet ingénieur qui travaille ici, là, il est hyper fort. Voilà. Quand il crée cette déviation, il n'y a pas de bouchons. C'est vrai, on ne peut pas circuler à Bia sans aucune déviation. Pardon, sans aucun bouchon, je veux dire. Voilà. Mais ici, honnêtement, la circulation elle est bonne. Parce qu'on sait qu'ils sont en plein travaux. Donc la circulation elle est bonne. C'est bon, la circulation elle est bonne. Et puis ça nous fait vraiment un immense plaisir. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan national de développement de la Côte d'Ivoire visant à améliorer la mobilité urbaine et à faciliter les déplacements pour environ 500 000 usagers quotidiens. Une construction dont les prévisions initiales mettaient en lumière la création de 300 emplois directs. Avoir ses règles fait partie de la vie d'une femme. De l'apparition des premières menstruations jusqu'à la ménopause, c'est en moyenne 2 à 7 jours d'écoulement de sang rythmé chaque mois. Cependant, la santé et l'hygiène menstruelle restent un grand tabou dans de nombreuses cultures. C'est normal qu'on ait des jupes tachetées, c'est normal qu'on porte des habits blancs tachetés, parce qu'on doit vivre librement nos règles. Et quand ça coule, c'est pas de notre faute. Les alternatives de protection ne sont pas accessibles pour tout le monde, d'où la naissance de ce grand projet 72 heures de menstrues à travers le concept menstrues libre pour montrer la liberté menstruelle pour ces jeunes filles et ces femmes. La question des menstrues ne doit pas être un sujet tabou dans notre société. Les parents, dès l'adolescence, doivent en parler avec leurs filles. J'ai eu mon premier menstrues, c'était à la maison, j'étais regardé la télé et j'ai remarqué quelque chose sous moi. Je suis allée dans la douche, j'ai vu du sang en bas de moi. Quand ma mère, elle m'a dit comment se protéger, elle m'a donné ses serviettes et porter. Quand tes menstrues te trouvent, on va dire, dans une activité. Et puis, tu te rends compte que souvent, il n'y a pas de toilette, en fait, à ce genre d'activité-là. Peut-être tu es parti en mariage, il n'y a pas de toilette, c'était dans un établissement. Et là, tes menstrues viennent. Souvent, ça te salit. Mais il n'y a pas de moyen, en fait, de te prendre en charge, de te nettoyer ou quoi que ce soit. Et là, c'est vraiment difficile. Je veux conseiller mes amis à ne pas avoir honte en fait des règles qui viennent à chez eux. Cette création en fait n'est pas honte en fait. Selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, une fillette sur 10 ne va pas à l'école pendant sa période de règles, ce qui correspond à 20% du temps scolaire perdu sur une année. À bord du groupe scolaire Nord d'Abobo, plusieurs étals proposent des mets à bas prix aux élèves entre deux compositions. Mais l'un d'entre eux se distingue, celui du poisson braisé. Pendant les amers, là, ils vont. Dans les amers, ça bouge un peu. Si après les amers, ça bouge, on se débrouille, c'est un peu. Si toutes les amers pouvaient passer chaque fois ici, c'est très bon. Quelques mètres plus loin, une vendeuse de pain qui, contrairement à sa collègue, peine à attirer les clients en cette période. En tout cas, ça marche un peu, mais c'est pas trop ça. Avant là, ça va mieux, mais 2 jours là, c'est un peu glacé. Parce qu'on n'arrive pas à vendre beaucoup. Avant là, ça va. Si on est dedans, on dirait que c'est mieux plus qu'au dehors. Si on va dedans là, c'est bien propre plus qu'on est au dehors là. Face à ces réalités contrastées, les deux commerçantes s'adaptent comme elles peuvent pour améliorer leur commerce durant cette période d'examen. Aboisso, capitale de la région du Sud-Comoé, regorge d'atouts comme la Bia et sa place mythique Etché Alexis Ehilingan, un haut lieu de vie de la localité. C'est une place à Aboisso qui... Tous les habitants d'Aboisso connaissent cette place et ils savent que c'est le lieu par excellence de tout ce qu'il y a comme sport, comme je le disais tout à l'heure, sport, loisirs, événements culturels. Cette place représente beaucoup. J'ai envie de dire que c'est la place mythique, non pas d'Aboisso, mais du Sud-Comoé, parce que c'est unique en son genre. Bravo par le Sud-Comoé. Et cette place a dépassé les frontières d'Aboisso et de la région Sud-Comoé. En plus de son aspect culturel et sportif, la place Etché Alexis Ehilingan constitue également un endroit commercial où les opérateurs économiques de la ville font de bonnes affaires. Ils y trouvent leur pitance. La place Etché Ehilingan, c'est une aubaine pour moi. À la place ici, c'est là que j'ai bâti ma petite entreprise où j'arrive à me débrouiller en faisant du poulet brisé. Oui, ça marche. Par la grâce de Dieu, tous les jours, le lundi jusqu'à le premier, ça marche. Cet endroit qui grouille toujours de monde a été l'œuvre du premier député-maire de la commune du Saint-Oui en la personne d'Alexis Etché Ehilingan. Elle est et demeurera toujours le poumon des grands rassemblements de la dite commune. Comme le dit l'adage, il n'est jamais tard pour se former. Une formule bien intégrée par les directeurs de différentes entreprises, dont certains ont pris part à une formation sur la finance. Comme le titre l'indique, hein, c'est la finance pour les dirigeants. C'est un programme qui est spécialement conçu par le cabinet VAS International Consulting pour développer, améliorer la gouvernance financière des entreprises par les dirigeants d'entreprise. Notamment quand on parle des dirigeants d'entreprise, je fais allusion au PDG, au DG, au DGA, aux administrateurs et aux membres du comité de direction. Dans le détail, les dirigeants d'entreprise ont entre autres été formés aux mécanismes comptables, analyse financière du bilan comptable et compte rendu, sans oublier l'analyse des coûts et des marges. 3 jours de séminaires organisés par VAS International qui se sont soldés par une remise d'attestation. Commencer ce séminaire m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert les yeux. Je sais désormais comment identifier les mots qui mène mon entreprise. Une fois identifié, quels sont les outils et les leviers que je peux utiliser pour la relever. Je repars riche des rencontres effectuées avec les différents profils et les différentes personnes qui étaient aussi à ce séminaire, et riche de ce que le cabinet VAS et son président a pu nous apprendre tout au long de ce séminaire. Le cabinet VAS International, à l'initiative de cette formation, est spécialisé dans le conseil, coaching des entreprises, recrutement et la formation du personnel. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.